À tutti belli e brutti. Aujourd'hui commence l'entraînement pour le Dog Riders 2022. Il y a à peu près une température de 4 degrés, mais une journée très ensoleillée. Et je vais me diriger vers le centre historique de Nivelles avec ma monture que je viens de préparer. Alors au soleil, il fait très bon, mais il fait froid. À tout de suite, les gars. Voilà, je pense que là-bas, c'est ce nef. Alors, à votre avis, moi je vais par là. Et le vent, cette saloperie de vent, dans quel sens va-t-il? Comme le montre la photo, il va par là. Et moi je vais par là. Donc j'ai une putain de saloperie de vent en pleine face, là, qui me pousse, me pousse, me pousse. En plus, comme il fait pas chaud, c'est vraiment pas facile. Là, je viens de m'arrêter pour un petit pique-nique après, je pense, 5 km. Non, mais c'était histoire de vous faire un petit compte-rendu vidéo. Hein. Allez, c'est reparti, les amis. Voilà, je viens d'arriver au parc de la Bedaine à Nivelles, avec Kai. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Et surtout, j'ai eu le Covid, j'ai plus la respiration, j'ai pas beaucoup marché pendant presque un mois et demi. Et ben, ça fait mal. Je vais me faire une toute petite pause d'un petit quart d'heure, une demi-heure, on va voir. Et puis je vais me remettre en route avant la tombée de la nuit. C'est super important parce que j'ai pas équipé mon vélo de lumière aujourd'hui parce que je me suis dit que j'allais rentrer tôt, mais tout d'une sarquée. Alors là, c'est trop beau, c'est trop calme, c'est le top. Je pense que c'est Ronquière ça. Il doit être à peu près 17h je pense. La nuit va bientôt tomber. Il ne reste plus qu'une heure. Merde. Prendre la direction sud-ouest sur Hameau-les-Bois. Prendre à droite sur chaussée de Bornival. En fait, il caille méchamment sec. L'avantage, c'est que les aliments et les boissons restent fraîches. Voilà, je viens d'arriver. 50 km aujourd'hui. Dans quelques instants, un petit débrief au calme parce que là, je suis trop essoufflé. A tout de suite. On dirait agile. Voici le petit débrief. Alors, effectivement, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais auparavant avec mes jambes, mais je pense qu'en travaillant très très fort et très très dur, je peux encore y arriver. Le Dog Rider, c'est au mois de septembre, et si je me concentre et que je fais beaucoup d'efforts physiques, de travail physique, et que je me prépare très très bien, je pense pouvoir y arriver. Les amis, je vous donne rendez-vous pour le prochain entraînement. Affaire à suivre. Ciao a tutti, belli e brutti.